Deux journalistes du Monde viennent de lancer le Décodex qui affirme aider les internautes à trier le vrai du faux sur Internet, ce qui est une bonne idée, mais voyons comment c'est appliqué en pratique. J'ai vérifié ce que le Décodex du Monde raconte sur moi-même et voilà. Militant anti-américain, est-ce que ça veut dire que si on n'est pas d'accord avec la politique des États-Unis, comme Chomsky, Moore et bien d'autres, on est anti-américain? Non, c'est un étiquetage. Militant anti-sioniste, est-ce que ça veut dire que pour être un journaliste fiable pour le monde, on doit être pour Israël, pour le colonialisme et son apartheid, comme le monde très souvent, mais ça se discute, non? Proche des positions du conspirationniste, alors ça, c'est curieux parce que dans mes livres, je prends chaque fois parti contre le conspirationnisme. Dans Israël, parlons-en, j'écris le conflit Israël-Palestine n'est pas un complot juif, n'est pas une conspiration. La réalité est bien plus simple, c'est notre système économique et social. Dans le livre sur l'affaire Charlie, j'écris de là à voir dans l'attentat Charlie un grand complot à élucider en priorité. Ce serait un piège qui nous détournerait des questions fondamentales. Sur un autre site, il y a aussi un article complotiste, moi, qui analyse qu'est-ce que c'est les complots, qu'est-ce que c'est le complotisme, en quoi c'est dangereux et qu'il faut au contraire faire une analyse stratégique, objective de l'histoire, de l'économie, des guerres. Première preuve du Monde, c'est un article du Monde, évidemment, où ils expliquent que voilà, j'ai milité contre l'opération de l'OTAN en Libye. Est-ce que ça veut dire que pour être un bon journaliste, il faut être pour la catastrophe que l'OTAN a déclenchée en Libye? Et puis, ces positions rejoignent celles de Thierry Messant, qui attribue les attentats du 11 septembre au service secret américain. Alors là, c'est pas très honnête. Parce que nous avons sur notre site, il suffit pour les deux auteurs du Décodex, là, d'aller voir sur notre site ce que nous écrivons. La seule chose que nous avons publiée sur notre site, c'est un article de Chomsky et de Bricmont à propos du 11 septembre. Et eux, ils sont très critiques, ils n'acceptent pas du tout les théories de Messant. C'est le seul article que nous avons publié. Et nous avons en plus expliqué pourquoi, je cite, dès le départ, Investigation a choisi de ne pas travailler et de ne pas publier sur le 11 septembre. C'est exactement le contraire de la réalité. Puis il y a un deuxième article qui est la preuve pour le Décodex, un article de Libé en 2012. Le Belge Michel Collomb, spécialiste de la désinformation, a participé à un voyage de presse en Syrie en août 2011, organisé par M. Châtillon du Front National. Alors là, s'ils avaient vérifié 30 secondes, ils auraient trouvé sur notre site, investigaction.net, ma réponse, bobard du lien avec le FN. Une internaute avait recopié ça, je lui ai dit « je ne suis jamais allé en Syrie, je vous prie de retirer », et elle a retiré. Mais voilà, elle a vérifié, le monde n'est pas capable de vérifier. Donc, nous avons ici deux preuves, en réalité, que le Décodex, c'est n'importe quoi. Vous donnez des cartons rouges aux sites que vous n'aimez pas, c'est-à-dire qui ne défendent pas les mêmes opinions pour la guerre et pour Israël que vous. Vous donnez des cartons orange et vous donnez des cartons verts à tous les sites qui pensent comme vous. C'est pas ça du journalisme. Et quand on voit comment vous avez travaillé dans mon cas, et je crois dans d'autres cas de votre Décodex, quelle couleur est-ce que vous méritez? En réalité, le Décodex, c'est un truc pour dire aux gens « je te dis ce que tu dois lire et je t'interdis de lire le reste ». Je pense qu'il faut traiter les gens en adultes. Et d'ailleurs, je vous propose d'organiser un débat public entre vous, le Décodex, et moi-même, Michel Collomb,
pour que les gens puissent décider eux-mêmes qui dit la vérité et qui ment.